אמר רבי תנחום ברדה רב חייא, איש כפר עכו. אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רבי שמלי, אמר אלה, אמר רבי תנחום, אמר אבונה, ואמר אלה, אמר אבונה ליחודי. Ça veut dire, vous avez vu, il y a trois avis, qui c'est qui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Talmid, Shenida, Lichvodo. Un Talmid Raham, il vient dans la ville et il y a quelqu'un qui lui manque de respect. Maintenant, il n'a pas manqué de respect par rapport à une halakha. Il a diminué en public. Il a humilié. Est-ce qu'il a le droit de faire un nidouille? Quand quelqu'un il vient, il représente la Torah. Je peux comprendre. La Torah lui a donné un outil pour aider la Torah. Mais quand c'est une histoire entre lui et l'autre, est-ce qu'il a le droit de le mettre en idouille? Donc il nous dit, t'as un mythe, j'ai dit d'un Nidouille en nidouille, oui, c'est un nidouille quand même. Mais Tania, menoudé la rave, menoudé la talmide. Le rave, quand il a fait un nidouille à quelqu'un, l'élève, il n'a pas le droit de parler avec lui. Par contre, menoudé la talmide et non menoudé la rave. La rave ou des non menoudé? Pour le rave, qui est plus important que le talmide, le nidouille, il n'est pas valable. Mais pour les autres gens, oui. Ah, les couleurs, ma menoudé. Alors, la Gemara dit, je n'ai pas compris. À propos de quoi il est ce nidouille. Il y a eu deux voisins qui se sont disputés sur un parking. Et il y a parmi eux, Tamit Raha par exemple. Un exemple au début. Et le voisin, il dit t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Et là, tu lui dis comme ça, t'es nidouille. Alors, pas beau. Qu'est-ce que tu utilises, Hachem, dans tes histoires perso? Dans la Gemara, elle pose la question. Ibemi le dishmaya, en chokma, en tevuna, en etza, le neged Hashem. Si c'est pour un kadosh baruch hu, il a vu quelqu'un qui faisait une avera, peut-être qu'il peut. Et la lave, l'ichvod atzmo, pour son kavod à lui. Alors, c'est quoi le kavod? Si c'est un kavod qui va lui casser son autorité rabbinique dans le coin, il a le droit. Si c'est pas. Quand la personne, il a vexé le title de la personne. Un juge qui marche dans la rue, il y a quelqu'un qui lui lance un mot. Si c'est lié, le mot qu'il lui a dit, c'est parce qu'il est juge. Donc, il a attaqué là, on le sanctionne. S'il lui a dit un mot. Sur son cadre d'action, pas perso, il n'a pas le droit d'être fermé. Amar Rabbi Yosef, Tsurum et Rabbanan. À quel point les deux sont vraiment séparés? C'est pas évident. Merci. Tu vois quelqu'un qui gare mal sa voiture. Il gêne le public. Et il s'avère que ce monsieur, il a un grand poste. Et tu lui dis, idiot, tu le traites de tous les noms comme que. Bien sûr. Comment on fait dans ce pays? C'est pesable, d'accord. Après, il s'avère que c'est un juge. Maintenant, est-ce qu'il veut agir parce qu'il est juge? Non, il aurait de ça. Tu mets en danger tout le monde, t'as pas honte. Tu te trompes pour qui et tout ça. Ouais. Moi, la différence, c'est qu'il ne le connaît pas. Même s'il le connaît. Si non, il est obligé de le dire. En plus, en tant que juge, tu devrais être. Non, c'est-à-dire que s'il lui dit tes psakédines, ils ne sont pas bons, tu ne connais rien à la ra, etc., là, il est pogab, bakavod. C'est pas évident. C'est pour ça que c'est une responsabilité. Amar Yosef, Tsurma Mirabanan, Avid. C'est vraiment une vraie question parce que un homme dans la moralité, dans le émet, admettons qu'il a été vexé, qu'il lui a cassé son autorité, est-ce qu'il est capable, lui, de trancher pour soi pour mettre la personne dans l'idouille? Parce que il dit, tu m'as dit ça, et ben t'es en idouille. Il y a un conflit d'intérêt, justement, t'es proche de toi-même. Alors il dit, est-ce qu'un tamis a le droit de faire ça? Alors, il dit qu'il a le droit dans quelque chose que c'est sûr pour lui, qu'il est sûr à 100%. À quel point il est sûr? C'est pour ça que je suis vraiment horrible. Parce que justement, eux, à l'époque, ils connaissaient la juste mesure.
Talmid Raham, c'était un homme qu'on lui donnait le titre de Torah Merabanan. C'est pas comme ça qu'on donne. Aujourd'hui, il y a une appellation de titre. Alors, la personne, il fait pour son carotte. Le Rav, j'ai eu le mérite de le connaître. C'était le Mashkiach que je suis très loin. Il s'appelait Rabbi Khadash. Et comme il était Mashkiach, quand il y avait un élève qui faisait quelque chose, il disait rien pendant deux semaines. Il enlevait toute sa colère perso qu'il avait. Et après deux semaines, il venait. Mais c'est pas grave. Il pouvait le mettre en dehors de la yeshiva. Et après deux semaines, qu'il ait une décision avec un calme. Il commence deux semaines. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait les élèves qui savaient qu'il allait les jeter? Ils allaient le provoquer, l'énerver pendant ces deux semaines. Il redonne encore deux semaines. Il n'allait pas les jeter. Il a gagné deux semaines. Ouais. Moi, je vais gagner toute l'année. Aout Soura Merabanan, il y avait un rabbin qui faisait des bêtises. Ce n'était pas un vrai rab. Mauvaise. Amarab Yehuda, qu'est-ce qu'il faut faire à celui-là? On a entendu des plaintes sur un rabbin qui se comporte mal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez un rabbin. Ça veut dire quoi, qui se comporte mal? Bah, tu vas plus le voir. Des mauvaises. Pas des mauvaises langues. Comment on dit? Chmois. Non, chmois. Rumeur. Mauvaise rumeur. Non, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vérifier. D'accord. Entre temps, qu'est-ce que tu fais? Entre temps, ça tourne dans toute la ville. Alors, tu sais pas comment. On te dit, le gars, il n'est pas correct. Ouais. Après, ça dépend, tu le connais ou pas. Vous êtes à l'achat par rapport. Alors, le peuple parle. Qu'est-ce que tu fais? Je leur dis d'arrêter de parler. Ah, et la dictature, c'est une question, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le rab, il amène à dire à tout le monde, taisez-vous les gens. Si les gens, ils parlent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, quand tu rentres dans le détail, les gens, ils échappent. Ils ne veulent pas affronter, ils ont peur, ils sont en position de force. Qu'est-ce qu'ils font les rabbins entre les leaders de la ville? C'est ça ce que la Gemara dit. Ah, autour de Rabbanan d'Abou Sanou Choumane et Amarav Yehuda. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, il a un poste de dirigeant de Yeshiva, par exemple. Il a des élèves. Il donne un cours tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? N'allez plus au cours? On n'a pas quelqu'un. Non. Pour l'instant, on est remplaçant. Il a posé la question. Les Chamte, on est en idouille. On lui dit comment ça se fait, ça il y a des mauvaises rumeurs. Nidouille. C'est rien de Rabbanan, les gens ont besoin de lui. L'Olish Mété, Kamitri, Shema Dishmaya, si tu ne lui fais pas, si tu ne remets pas en place, il y a un Khidou Lachem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amarale, les Rava Barbar Hana, Mide Shemi Alarpea, est-ce que tu as entendu quelque chose? Comment doit être le comportement dans cette situation? Amarale, il lui répond. Amarale, Ahi Amar, Rebi Yohanan. Il lui a dit, on a un pasouk qui en a une kabbalah par nos rabbins. Le pasouk qui dit, va étudier la Torah chez un ange. Si le rabbi ressemble à un ange, il est propre, va étudier de lui. Mais si le rabbi n'est pas propre, ne va pas étudier. Donc, ne fais pas cas à ce qu'il enseigne la Torah. Remets-le en place. Oui. On ne sait pas ce que le rabbin... Donc, tout de suite, dès que le rabbi Yehuda il a entendu ça, il a dit, nidouille à ce rabbin qui n'était pas correct, qui avait des mauvaises rimes. Et toute la vie, il dit oui. Il faut étudier la Torah par des gens bien, pas par des gens à problème. Non, on a entendu dans toute la ville. C'est pas une rumeur. Fermé, en fait. Une rumeur, c'est beaucoup plus grave qu'un témoignage. Il faut savoir. Une rumeur, toute la ville parle. Ouais, tu sais plus où il y a. Les gens, normalement, dans une ville, les gens sont censés être corrects. Ils vont dire, mec, de quoi vous parlez? La rumeur doit être confirmée dans un témoignage. Non, mais ça n'empêche pas les gens de parler. Les gens, ils parlent. Les gens, il faut sanctionner. Il y a une rumeur qui sort. Ouais.
Il y a une rumeur qui sort en ville. Ce rave, il fait des choses terribles. Maintenant, autre temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais taire, tu dis arrêtez de parler et tu attends le témoignage qui est peut-être arrivé, peut-être qu'il va parler. Non. Tu dis aux gens de ne pas aller étudier chez lui. Qu'est-ce que tu fais? Il voulait savoir. Tu l'arrêtes tout de suite. Tu dis pour l'instant, venez tout celui qui a un témoignage à dire qu'il vient au Bédine. Et pour l'instant, tu n'enseignes pas. Il faut mettre les choses. Donc, Ravi Yehuda, il le met en boule. Ça ne tient pas la route, ce truc. Tous les rabbins, ils ont eu des rumeurs. Le Rambam. Okay. Mais ils ont affronté un Bédine. Ok, mais dans les moments même. Voilà, tu entends des mauvaises choses très dures. Ça fait partie du jeu, je crois. Mais voilà, le Rav Tao, il en salit. Ouais. Voilà, hier soir à la radio, ils ont dit, il n'y a aucune preuve qui a été trouvée. Ils ont enquêté des dizaines de personnes. Ils n'ont rien trouvé de... Donc, ils ont dit, on va annoncer les prochains jours sur la fermeture du dossier. Terrible. Ouais, mais... Tu as pris un nombre de 85 ans, tu l'as détruit. Roger Chivatar avant. Il en deux, le mec. Hein. C'est la plus grande, une des plus grandes sommités du Tibour d'Athéry. Mais là, en quelconque jour, c'est une équipe. Mais voilà. Ils ont dit qu'il n'y a aucune preuve. Ça veut dire que ça n'a même pas demandé, c'était même pas arrivé à la police au niveau d'enquêter la personne. S'ils avaient des données. Donner un peu plus de concret. Robert, il aurait enquêté et du moins qu'il n'est pas arrivé là. Ça fait. Alors, c'est vrai, c'est un vrai débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas de présence. Alors, peut-être, dans les gens qui sont beaucoup plus grands, il faut être plus vigilant encore. Plus la personne est importante, plus il faut faire attention. Que lui fasse attention ou que nous, on fasse attention à lui. Non, que la police, les gens, les responsables. Je suis pas sûr. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si tu dis fixe. Non, mais ça l'a tué. Oui, vrai, faux, pas. Je ne sais pas. C'est fou. Il y a même des fois pire. Regarde la rumeur d'Orléans. Il y avait une fois la rumeur à Orléans. Il y avait des commerçants. Donc, ils ont des choses pour les femmes. Ils ont accusé de traiter blanche. Ah oui, et alors donc. Ça s'est passé dans le jour à nous. Ah oui, oui, ça s'est passé. Moi, j'étais jeune, je suis à 60. Les années 60, bref, quelque chose comme la rumeur de la rumeur. Et alors, ils ont pris une enquête. Ils ont laissé mourir d'elle-même la rumeur. Et ils ont fait en même temps une enquête, c'est-à-dire en parallèle. Et ils ont prouvé que c'était un faux et antisémite. Quoi. Bon. Bon, mais bon. Mais ils n'ont pas fermé. Ils n'ont pas fermé. Ils ont continué à travailler. Ils n'ont pas entendu la rumeur de la rumeur. Si, mais même dans toute la France, c'était comme ça. Les femmes ne voulaient même plus essayer des vêtements, elles avaient peur de rentrer dans les cabines. Ils disaient que dans les cabines, il y avait un truc pour les hommes. Vous rappelez de ça? Oui, je sais que ma mère, elle disait toujours à ma soeur, jamais d'aller acheter. Essayer, il ne faut pas essayer dans les cabines. Il faut essayer à la maison et revenir. Non, mais il y avait la trouille, hein, les gens, ils avaient la trouille. On se fait des films. Alors, il dit alors bon, Ravi Yehuda, bref, l'a mis en idouille. C'est intéressant, le Maharal de Prague, il explique cette para. Il dit pourquoi on a dit que si le Rav ne ressemble pas à Malach, il ne faut pas étudier la Torah. Est-ce qu'il n'a pas un bon contenu? Ok, tu vas à l'université, tu étudies. Marc Padlera, qu'est-ce qu'il fait la personne, le professeur? Mais Rabbi Meir, il n'a pas fait avec un frère. Ben justement, alors il dit la Gemara. Alors, le Maharal de Prague, il dit pourquoi les élèves doivent abandonner le mauvais rave. S'il a un contenu, il est très. Il a une pédagogie extraordinaire, il sait transmettre. Pourquoi ils doivent le quitter? Alors il dit non, alors le Maharal. Alors le Maharal de Prague, il dit non, justement. Le Maharal de Prague, il dit le Icar, il dit les midot, par la transmission de bouche à bouche. Il dit l'élève, quand il rentre devant le rave, il se met dans une position de capteur. Il dit, si lui, en ce moment, il fait un barrage dans sa tête, et il dit, mon prof, c'est pas un bon, c'est mort. Il est mauvais, il ne peut pas étudier. Donc, il dit, s'il se met dans la position de l'étude, il est obligé de croire que son transmetteur, c'est le meilleur du monde. Et il dit, et là arrive le vrai problème.
Et c'est pour ça qu'on dit à l'élève, ne va pas étudier. Parce que la HPA, elle peut être plus mauvaise. Parce qu'il est obligé d'admirer son prof pour bien étudier. S'il n'admire pas son prof, il ne peut jamais étudier bien. Ça, c'est le Maharal de Prague. Alors, selon ça, il y a eu une histoire terrible. Il y avait un rabbin à Berlin qui s'appelait Moshe Dessoy. Moshe Dessoy, il a traduit la Torah à l'époque en allemand. Moshe Mendelssohn, le fameux Moshe Mendelssohn. C'est le grand-père du compositeur de mais le fameux Mendelssohn, que quand les nazis sont montés, ils ont interdit de jouer ces trucs. Maintenant, Mendelssohn, le petit-fils, s'est converti au christianisme. Mais le grand-père, il a fait une très grande traduction sur la Torah en allemand, avec la grammaire, les règles. Moshe Mendelssohn, on dit que c'est lui le père du mouvement réformé. Même que lui disait, je suis un juif, comme tout le monde, il est un grand, grand ami de Rara. Il a reçu des lettres de recommandation sur ses livres du Noda, Biouda, les plus grands. Quand ils ont vu son commentaire sur la Torah, ils ont dit, on n'a jamais vu un si beau commentaire. Il a écrit là-bas des choses. Il y a un débat sur le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a dit, Oubesifre Ramad, Altish Lechouyad, Ki Azrang Lechem Lotimad. Il a écrit dans son testament à ses élèves. Bon, après, le Gaon de Vilna, il a lu le livre, il a demandé de lui faire lire, parce que c'était un débat dans les communautés, on est rentré à la synagogue sous livre. Quand il a fini, il a demandé à des élèves à lui, qui comprenaient bien l'allemand, de lui traduire tout le livre. Il a dit, il faut brûler le livre, et le livre, il a été brûlé dans la cour de la grande synagogue de Vilnius. Oh, ok, pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il y avait dedans de la kfira. Je ne sais pas, vraiment, je ne vais pas... Okay. Bon. Le Zdechemed, Rav Sfarad, et Priska au Médiné, il vient dans l'Empire ottoman, il est rabbin à Crimée, à la Crimée. En Crimée, ouais. En Crimée. Ça devient le rabbin de Crimée. Et là-bas, il voit les livres. Il envoie une lettre. Il imprime son grand livre, qui est une encyclopédie à l'arrivée. Et il cite des lettres qu'il avait. C'est un très grand ami des rabbins lituaniens. Pas chassidiques, lituaniens. Un rave en Bélarus de la communauté de Chavel. Il s'appelait Rav Yosef Zecharia Shteret. C'était un monstre. Une mémoire. Rav Kenevski, c'est petit à côté de lui. Je rigole pas du tout. Et il cite Mendelssohn dans les lettres. Et lui, il a édité la lettre. Alors, quand le livre est arrivé chez les chassidim, c'était les pires extrémistes. Ils ont dit qu'il fallait brûler le Zderhemet parce qu'il mentionne Mendelssohn. Lui, le pauvre, Farad, il ne connaît rien de tout ça. Laissez-moi mon nom de vos histoires. Moi, cette lettre, c'est un rabbin de chez vous qui m'a. Moi, je n'ai jamais lu Mendelssohn, moi, je ne comprends pas l'allemand. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Prends les lettres qu'on lui a envoyées. Il est choqué qu'il a donné place à Mendelssohn dans son livre. Et il envoie la lettre au Rav qui lui a écrit Mendelssohn. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Et le Rav Shteren, il est déchirant. Et il ne fait pas qu'à eux. On a le droit de lire Mendelssohn, on a le droit de lire la culture. Et il dit pourquoi? Il s'appuie sur le Maharal de Prague. Il dit, quand tu as un livre dans ta main, tu n'es pas obligé d'admirer. Tu lis un texte, tu veux déchirer la feuille, tu déchires, tu veux écrire des remarques, tu écris. Savoir ce que l'autre peut. Il n'y a aucune peur d'admirer l'auteur. Exactement. Donc il explique, il amène la citation du Maharal de Prague. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand tu es devant un orateur, tu ne peux pas le contredire, tu es obligé de l'admirer pour un contenu. Et c'est pour ça qu'il mettait en idouille un orateur. Mais un homme qui a eu un idouille sur son livre, tu peux le lire. Tu veux en cacher. Il y a le risque d'être influencé par de mauvaises idées. Mais un livre, tu sais toujours que ce n'est pas la fin du monde. C'est, pas... c'est vrai qu'il y a une dimension en plus. Alors voilà. Alors il s'est appuyé. Il s'est appuyé sur cette Gemara. Il pose toujours la question, est-ce qu'on republie My Kampf? C'est quoi? On republie My Kampf, par exemple. C'est pas ça la question. My Kampf, la question de publier, lire, oui, tu peux lire. La question de publier, quand tu as une maison de publication, sachant
sachant qu'il y a 40% des gens qui croient à la lettre écrite. Alors, il faut éviter. Il faut éviter. C'est pas ça la question. Il ne faut pas donner du dos à des antisémites, mais de lire, tu peux lire n'importe quoi. Moi, je me rappelle tout ce que je voyais mon père qui écrivait les enfants ne pas lire, j'allais les chercher. Oui, mais c'est amusant, c'est très là aussi. Oui. C'est amusant. Mon père, on avait des encyclopédies à la maison. Il passait sur tout avant qu'il ne fasse rentrer. Et il mettait des étiquettes où ça parlait d'évolution. Que le monde, il existe des milliards d'années. Ah, Darwin. Il mettait des étiquettes dessus. Et moi, je me rappelle, je rentrais aux toilettes, je prenais le livre, et doucement, je tirais tout ça pour savoir qu'est-ce qu'il y a écrit. Pourquoi papa, il a ça. Comment ça qu'il y a, tiens. C'était intéressant. Pour moi, c'était la plus grande avérante que je faisais. C'était un kiff extraordinaire. C'est qu'on l'a, appris, nous, en école du bleu, quand on était jeunes, et la prof de bio qui était une femme dont son fils est rave aujourd'hui en Israël. Et quand elle nous fait... normalement, je devrais vous expliquer qu'on descend du sein. Et elle rigolait. Et nous, on rigolait tous. Hein. C'est-à-dire qu'elle nous a fait le cours parce qu'elle voulait qu'on comprenne ce qu'eux nous avaient. Alors voilà, alors il dit ça. Alors, Rabbi Houda, bref, Rabbi Houda, il m'a en idou, il sera pas. Tachlès Ayom. Il n'y a personne qui est capable de dire celui-là m'a envie d'ouïe, celui-là n'a pas envie d'ouïe. Si vous êtes à Lituanie, vous pensez ça. Si vous êtes Sfaradi, vous pensez ça. Aujourd'hui, aucun rab n'a accepté de s'asseoir. Comme on n'a pas de grand, on n'a pas un vrai grand dans la génération, c'est pour ça. Tu as raison tout à fait, Charlie. Non, ferme le micro. Non, il a raison, on adore Charlie. Maintenant, on le voit. Bravo, Charlie, on te voit maintenant à la télé. Et tu as raison à 100%. C'est pour ça que je suis en train de rompre les dents, mais pas en idou. Bon, en tout cas, il met en idou. Maintenant, Rav Yehuda, tout de suite après qu'il met en idou ce rabbin, il tombe malade. Et les gens de la ville viennent le voir, dont celui qui l'a mis en idou. Il vient le voir. Et il dit ah, tu kiffes maintenant me voir malade, hein, parce que je t'ai mis en idou, donc tu kiffes me voir KO au lit. Alors, regardez. Chante Rav Yehuda, la sauf Yahlash Rav Yehuda, à tout Rabbanan et Chayud, et même Ata, Iunami Badaï, ou même celui-là, il est venu. Kad Khazir Rav Yehuda, Khazir Rav Yehuda, Hayech, il a rigolé. Amarle, l'obistayach de Chante Léaou Gavra, et la Hukhenami Hayachbi, Amarle, la Bédidach Mechayachna, quand il est arrivé, Rav Yehuda, il rigolait. Alors il lui dit, le gars, le pauvre, le rabbin qui l'avait été mis en idouille. Ça ne suffit pas que tu m'as mis en idouille, en plus, tu te fous de moi. Ouais. Il a dit, tu sais pourquoi je rigole? Je rigole parce que quand je vais arriver dans le Olam Haba, il était très malade. Je dirai aux gens que je n'ai jamais été un hypocrite. J'ai dit la vérité, je me suis comporté comme il fallait. Même avec un homme grand comme toi, que j'apprécie, quand c'est venu les rumeurs qu'il fallait que je préserve le public, je les ai préservés. Je n'ai pas fait qu'à ni à toi, ni à ta grandeur, ni à notre amitié. C'est fort. Bon, Nahnafshé de Rav Yehuda. Rav Yehuda meurt de cette maladie. Ça veut dire que c'est les derniers mots qu'il dit. Il meurt. Nahnafshé de Rav Yehuda, Atale Ben Midrasha, Marleou Charouli. Autorisez-moi ce que Rav Yehuda m'a fait comme Nidoui. Ce fameux rabbin. Amoule Rabbanan. Gavra de Hashiv qui Rav Yehuda leka acha de Ishvela. Il n'y a pas un homme dans la ville assez grand pour enlever le nidouille de Rav Yehuda qui était grand. Et quoi? Et la zile gabé de Rav Yehuda Nessia. Rav Yehuda Nessia, c'est le petit-fils de Rav Yehuda Nassi. Que lui t'autorise. Il est grand. De l'Ishvela. Adale kame. Amal le Rabbi Ami Pouk. Ayen bedine. Imi baele mishale charele. Il dit, regarde tous les témoignages qu'il y a eu contre lui, et regarde, si tu peux, tu m'autorises. Rabbi Ami était grand. Et pas un tzadik en Eretz Israël, comme Rabbi Ami et Rabbi Assi, ce sont deux frères de Kohen. Il a regardé Rabbi Ami, il a repris le dossier de A à Z. Savoir les Mishralé. Il a dit, oui, je peux bien lui autoriser. À mon avis, il ne fallait pas le nidouille pour ce monsieur.
Ahmad Rabbi Shmuel Bar Nachmani al Raglav. Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui est là-bas, il se tient sur ses pieds, il dit, se lève, Dama. Où ma chiffre Hachel Betrevi? L'on a go Hachamim Kalut Rosh Benidouya Shalosh Shanim. Yehuda Haverenu al Had Kama Vekama. Une fois, il y avait une des bonnes de la maison de Rabbi Yehuda Hanassi. Il y avait quelqu'un qui a manqué de respect par rapport à elle et à Rabbi Yehuda Hanassi. Elle avait envie de lui dire, essaye de la draguer dans la rue. Elle lui a dit, ah, c'est comme ça que tu te comportes, tu crois parce que je suis une femme faible. Tu vas me dire ce que tu veux. Tiens, on y douille. Comme ça, elle lui a dit. Tout le monde s'est éloigné de lui 3 ans de ce monsieur parce qu'il y en a mis en y douille. Elle avait le droit à la bonne. Alors, tu vois, je lui ai dit, alors, il a dit, si la bonne de Rabbi Yehuda, elle a réussi à mettre en idou, alors moi. Et les tzadikim, tout le monde a fait cas à ce qui s'est passé. Et 300 personnes qui ont mis les pieds chez lui, etc. Jusqu'au moment où il a demandé pardon, il s'est rabaisé, il a compris sa faute, son erreur. Alors, nous, on va annuler le nidou de Rabbi Yehuda, qui est un grand tzadik, sur ce monsieur comme ça, parce que rapidement, non. Bon. Amar Rabbi Zera. Maïde Kaman, de Ata Aïdna Aïssa Rabbi Racha. De Akamashan et Loata. Je m'amène à l'homme et Baël Mishraël. Rabbi Zera, il était là-bas. Il a dit, regardez, c'est très bizarre cette histoire. Il dit, Rav Shmuel Bar Nachmani, c'était un très vieux monsieur. Jamais il venait à la synagogue. Il était faible, il était à la maison. Il dit qu'aujourd'hui, le jour où on parle de Zenidoui, il se. Il vient ici et il dit cette remarque, c'est que Hachem ne veut pas qu'on lui enlève le nidouille, c'est normal. Le charalé, il n'a pas fait de nidouille, il n'a pas enlevé le nidouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre rabbin qui a été nidouille, il sort en pleurant du Betamidrash parce qu'on ne va pas lui autoriser. Il sort, écoutez bien, il y a un serpent qui vient, qui le pique dans le membre de la brite Mila. Il est mort là-bas. C'est-à-dire que c'était là-bas, c'était ça la rumeur. Il faisait des choses pas bien. Nafak, qui kabache ve azil, ata zibura, un serpent, ve tarke a amate. Zibura, non, zibura, c'est un bourdon, je crois. C'est, comment il traduit zibura? Tira, un bourdon. Ve tarke a amate ve shachiv, il est mort. C'était enflammé l'endroit, et il est mort. C'est une belle mort, ça. Aïlou, les Naharta des Chassidé, Vélo Kiblou. On voulait l'enterrer avec les Tzadikim. Il est mort, il a eu un le pauvre. Non. Et Rachid, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? On ne l'a pas accepté. Ils ont enterré dans des grottes. Il y avait la grotte des Tzadikim. Ouais. Et quand il est venu, Rachid, il dit, Rabban déjà, ils sont partis. C'était des grands rabbins de la ville. C'était un des grands, le plus grand de la ville. Bon, il y a eu la rumeur, ils l'ont mis en idouille. Et bah, basta, c'est fini. Ça s'est avéré vrai. Non, on ne sait pas. Si le bourdon est parti là-bas, on ne sait pas. C'est un dénigré, c'est des choses du ciel. On n'a pas envie, nous, de rentrer. C'est Hachem qui dit ce qu'il a à dire. Mais non, on est comme ça, on ne sait pas. Mais quand ils ont voulu le faire rentrer, il y a eu un grand serpent qui est venu qui a bloqué le passage. Donc ils ont compris qu'il ne faut pas le faire rentrer avec les Hassidim. Ah, ils voulaient mettre des Dayanés. Ça fait beaucoup de... Ils sont partis dans la grotte des Dayanim de la ville, ouais. Et ils l'ont accepté. Ah, ça veut dire que tu peux être Dayan. Non, mais... ça veut dire... Quoi? Il a eu une capara, mais il n'a pas eu une capara suffisante pour être entré en délai avec les tzadikim. Attends, c'est quand même un peu absurde qu'un mec qui ait fait des avérotes comme ça, il puisse être enterré avec les Dayanim, ce qui est quand même très grave. Enfin, c'est aussi quelque chose, une marque de... Il n'a pas la prina qui est. Ben, il n'a pas la prina, mais il a la prina pour être avec les Dayanim, alors que... Alors il dit... Alors, la Gemara pose la question, justement. Ouais, c'est dur. La Gemara, elle dit, et quoi, les Dayanim... Ils volent moins. Non, les Dayanim... Ouais, c'est des... Chez eux, on peut mettre tout le monde. Bah ouais. Les problématiques, ils peuvent... Alors, la Gemara, elle dit, écoutez bien. Écoutez ce que la Gemara, elle dit, c'est incroyable. La Gemara, elle dit que ce rabbin, apparemment, quand il est parti faire les bêtises qu'il voulait faire, ouais. Il a enlevé les habits de rabbin. Ah. Et il est parti faire ce qu'il voulait faire. C'est ce qui s'est avéré après. C'est-à-dire, il n'a pas eu un élément de Khilou Lachem. C'est-à-dire, il a enlevé son habit, là-dessus. Eh bien, moi, quand je fais ça, je ne fais pas ça en emploi. Ah, il n'a pas sali, là. Je n'ai pas sali. Je suis tombé à moyen de Serrara. La Gemara, elle dit, celui qui veut faire une avéra, elle dit, il y a qui se met
C'est pas que c'est autorisé de faire. Il la passe bien. C'est pas que c'est autorisé. À l'ombre. Il la passe bien. D'ailleurs, le bon moment où il a piqué, c'est qu'il était à poil. Un Shabbat. Mais ça rentre. Dans les sacs qui pas. Un Shabbat, j'étais à Accra avec ma femme. Il y a 4-5 ans, avec mes enfants. Où ça? À côté de dans un hôtel là-bas. J'allais passer Shabbat. Je vais aller voir. Moi, ça m'a cassé l'éducation de mes enfants. Je vois un groupe de barouets, je ne sais pas, chassidiques. Je ne vais pas y croire. Shabbat, avec un micro, non. Une bière. Mais non. Ils vont à la plage. Mais non. Ils étaient en. Et des périodes comme ça. Mes enfants, ils me regardent. Ils font... Comme ça, on se regarde. Bah, tu sais que ça veut dire. Et il y avait un parmi eux, en pantalon noir, chemise blanche. Je voulais aller leur donner des coups. Alors, vous me détruisez l'éducation de mes enfants. Attends, moi, mes enfants, ils sont dans la Torah. Ils voient des gars avec des kippas. Je suis parti. J'étais furieux. Enlever la kippa. Couper les péotes. Et il me regarde avec un audace. Le gars avec le pendant. Je lui dis, tu sais, la Gemara, elle dit que quand quelqu'un a envie de faire une avéra, qu'il met du noir et qu'il fait ce qu'il veut, c'est ce que tu es en train de faire. Enlève ton noir. Votre noir, il ne vaut rien du tout. Il a commencé à me dire, on disait que tu en as. Enlève les péotes, enlève tout, enlève. Quand on est rentré, j'ai senti le froid chez mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Mais non, c'est pour ça qu'il y a un rideau, la jeune. Quand ton fils y voit 5 heures du jeu en péotes, comme ça, à la plage avec le micro, en Bermuda, les pierres, Shabbat. Mais tu crois? Il doit y avoir une autre explication. Non, mais ouais. Je peux vous dire, j'ai vu des gens. Il faut savoir. Problème de calendrier. J'ai vu dans ma vie des gens. Comédien. Avec chapeau, costume, en Israël. Je les ai vus moi. Ouais. Non, pas dans les boîtes. Moi, je ne sais pas les boîtes. Je ne vais pas là-bas pour vous dire. Sinon, ça veut dire que. Mais moi, je les ai vus rentrer dans des restaurants pas cachés à manger. J'ai vu des gens que chez eux, ils vivent dans un groupe. Ils se trouvent bien là-bas. Ils n'ont aucune émouna. Moi, j'ai vécu à Béjar. Je ne sais pas maintenant. Il y a des. J'ai pas dit maintenant. Il faut savoir que 99% du public, il est bon. Ils n'osent pas parler à la fin. Ça fait peur, mais ça fait peur. Non, c'est pas vrai. Alors, la Gemara, elle dit justement, alors il dit, au moins ce monsieur, quand il a vu la Vera, il a dit à tout le monde, je ne suis plus religieux. Il n'a pas sali le nom. C'est pour ça que sa mort, c'était une kapara. Parce que sur un Khiboul Hachem, il n'y a pas de kapara. Il n'y a plus de Khiboul Hachem. Par exemple, j'ai ma fille, qui est à Beit Chetanji, elle reçoit beaucoup de travail. Ils sont virés de chez eux par leur famille. Et il y en a qui ne peuvent pas enlever leur. Par rapport aux parents. Pour pouvoir rentrer les fêtes ou les séries. Donc, elle me dit, il va le vendredi soir, il va dans les bars et dans les trucs, etc. Il y en a plein. Comme c'est avec Péos. Moi, j'ai plein d'amis qui ont eu des enfants. C'est bien. C'est des gens faibles. Ils n'osent pas par rapport aux. Chez les Gébatis. C'est difficile. Vous devez le faire. Alors, regardez. Rabbi Ibrahim Omer, Imroé Adam, Shitron, Midgaber, Allah. Ouais. Tu vois que ça y est, ça. Ouais. Tu vois, la bêtise et l'attente derrière. Pourquoi tu dis ouais? Dis pas ouais, toi. Ivre et Adam, écoutez la Gemara, attendez, d'abord la Gemara, ce qui est écrit après on va commenter. Ivre et Adam, chez Yitzro Midgaber Alav, Yelech, le Makom Sheen Makirim Oto, Vilba Shchorim, Vitatem Shchorim, Via Asema Sheni Bochavetz, Be'an Yichalel Shem Shemaim Paisa. Avant ça, je suis obligé de vous lire le Tosfot pour que vous ne sortez pas avec une fausse idée. Tosfot, Omer Aben Utam, Ivre, regardez le troisième Tosfot de la page, le quatrième. Imroé Adam, Kadab Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hanan, pardon. Chazbe Shalom, l'outar l'ola, ce t'avera. Bien sûr. Il a lié des car, Ikana Libo. Il y a besoin de faire autant de préparation.
comme il y avait un arabe, il avait de la bite de la colère. Il y a ces machines pour Hafez. Non, c'est-à-dire, on te dit, tu veux faire, tu sais, il y a des gens qui sont, il y a des enfants qui sont hyperactifs. Il y a des gens qui ont un degré d'hyperactivité de dingue. Chaque moment, c'est une nouvelle idée. Ça passe pas. J'ai eu une femme qui m'a appelé, elle m'a dit, mon mari, il m'a dit qu'il a envie d'aller habiter aux États-Unis. Il ne parle pas l'anglais. Mais le gars, il était là. Elle m'a appelé, moi. Ils ont 5 enfants. Je lui ai dit, ton mari, d'abord, il a le HGHD à 100%. Je lui ai dit, mais non, plus tu vas lui dire, plus il voudra y aller. Je lui ai dit, tu vas lui laisser, tu vas lui dire, on va acheter les valises maintenant, on va demander le cadre. Quand il va commencer à faire le premier pas, il va sentir qu'il a fait sortir cette volonté, il est déjà sorti. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Hanan, il dit, tu vas aller, on te dit, eh ben, fais la Avera, va t'acheter un jean noir, va t'acheter un t-shirt noir, sors de ta ville, monte dans le bus, voyage loin, va dans un endroit que tu connais, t'arrives là-bas, c'est déjà sans doute, etc. Non, t'as dit oui. C'est comme on a dit aux guerriers. Au guerrier, on lui a dit dans la guerre, tu veux la Yifat, il veut une femme. Ouais, couper les cheveux, ouais, Non, avec elle, ouais, mais elle revient avec toi à la maison. Ouais. T'as compris? Du moment où il sait qu'il y a une petite autorisation, c'est plus interdit. L'interdit, il fait 80% de l'électricité qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Hananel. Non, j'ai lu un truc ce matin. Attends, il faut qu'on finisse le sujet. Là, la Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé avec la servante de Rabbi qui a mis un idouille de quelqu'un. Elle a vu un monsieur qui frappait son fils, qui lui donnait des coups. Le fils était adulte. Et le père qui frappe son fils dans la rue, elle lui a dit, tu fais faire à ton fils une avéra. Si ton fils il te rend un coup, parce que tu l'as frappé. Comment tu as pas honte de faire ça? En mesure que tu pouvais rendre. Il paraît d'être bon. Bon, ouais. C'est pas courant. Aujourd'hui, un père qui va donner un enfant à lui qui a 17 ans, l'enfant, il gifle son père. Non, mais 17 ans, d'accord. On peut plus. Quoi? Il va lui emmener la police. Bien sûr. Même ça, c'est... Aujourd'hui, c'est ça, il prend sa valise. Il porte plainte. Moi, je parle avec des clients. Il porte plainte. Les enfants, ils portent plainte. Ils ne laissent pas les parents rentrer. Ouais, ça existe. Moi, j'avais un proche de la famille, je ne vais pas dire. Un jour, sa fille, elle est rentrée tard à la maison. Sa fille, elle est rentrée tard le soir à la maison. Il a coupé un doigt. Il l'a battu. Il était ultra religieux. Sa femme lui a dit, ne touche pas la fille. Laisse-la. Il a cassé tout ce qu'il a vu devant lui. Le lendemain, la fille et la mère, ils sont partis à la police. La fille, elle a dit que son père a abusé d'elle. C'est pas mal. Le père a abusé d'elle. Ils sont venus, ils ont pris le père. 10 jours en Mahatar. Ouais. Le père, les premiers jours, il voulait se suicider. Tellement, elle a humilié. C'était des familles normatives. Et c'était difficile pour lui de pardonner sur ce qu'elle lui a fait. Elle lui a dit, tu me comprends, tu m'as giflé. Ok, va dire que je t'ai battu. Que je rentre en prison. Que je t'ai battu. Mais que... Qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit, j'étais pas sûr qu'ils avaient te. Elle a raison. Elle dit, maman, elle m'a dit qu'il faut dire ça. Que tu sens bien. Oui, mais la maman, il va vite la quitter, celle-là. Ça a commencé. Il a intérêt. C'est pour ça qu'il a dû plus frapper la mère. Il a pris combien d'années de prison? Il aurait dû le faire avant. Il n'a pas pris de prison, non? Il n'a pas pris que 10 jours. Il n'a pas pris que 10 jours. Non, il s'est avéré après que c'était faux. La police, alors, tout va bien. Mais 10 jours, il était en prison. C'est pour ça que je dis que c'est assaut de frapper les enfants à un certain âge. Voilà. Elle est partie, elle a fait rentrer son père en prison. Alors, quel âge?
Non, elle avait 16 ans, 17 ans. Fois, ça laisse pas de marque. Et de bon, quel âge comme ça, il s'arrête pas de problème. Moi, je mets le 15 ans comme ça. Moi, je mets le 15 ans. Vers 15 ans, t'arrêtes. Les femmes, il y a 15 ans. Moi, j'ai pris une claque de mon père à 20 ans. Une claque. Un jour, j'étais à la maison. Ma soeur, elle a mis un habit très serré. Je lui ai dit, tu t'habilles comme une broute, ça. Je n'ai pas dit... Mon père, il a entendu ça. Il s'est tourné. Il m'a donné. Ah, puis, et m'a donné quand il t'en donne, je pense qu'elle doit être magnifique. Il m'a donné à tourner comme ça. Il m'a dit, compte tes mots, autrement tu devras compter tes noms. Il m'a dit, tu ne parles pas à ta sœur un mot, tu as compris. Et m'a remis. J'ai dit, merci papa que tu m'as donné cette fille. Et il m'a dit, je te redonnais à 30 ans. Il m'a dit, même si tu tires ça à ta fille, je te donnerai une gifle. On ne parle pas comme ça. Il y a un respect. Ta sœur, c'est ta sœur, tu n'as pas le droit de le dire. Pourquoi tu te permets de dire une chose pareille? Parce qu'elle est faible et c'est pas de rapport. Parce que tu es plus fort qu'elle et tu dis un mot que tu vas la vexer. Non. Oh. Et la vérité, et mon père, c'est comme ça. Ce qui, s'il t'a pas dit le mot même, jamais il te donnera après une punition. Au moment même, il punit. J'aimerais pas avoir une gifle. Il y a des mains. Et j'ai dit, et moi, je suis resté, quand il m'a donné, j'étais très vexé. Vexé, ouais. Ouais. Il m'a dit, vexe-toi, je suis parti parler avec ma mère. Il est venu, il a dit, je vais te donner une gifle. Il a dit à sa soeur, il la mérite, et s'il dira, même s'il a 30 ans, je lui donnerai. Et s'il a 40 ans, et s'il a des petits-enfants, je lui donnerai. Et quand vous avez dit merci, c'était pas sur le moment. C'était après que vous avez dit merci. Aujourd'hui, je dis merci. Oui, d'accord. Déjà, c'est années, j'ai compris qu'il fallait dire merci. Oui, mais sur le moment, on ne dit pas, on est blessé. Au moment même, j'étais blessé, bien sûr. Après, ça... Mais il m'a expliqué ça avec des proportions plus terribles. Après. Oui. Ça, c'est... Mais ça, je ne peux jamais l'oublier. Pour moi, c'est un rhino. Oh, ouais. C'est un... Ça n'a jamais fait de mal à personne. Tu ne diras pas un mot à ta sœur. Je suis là, elle a un père. Elle n'est pas orpheline, ta sœur. Et de toute façon, tu ne peux pas. C'est sa vie. C'est sa vie. Ça, je le dis souvent. Il y a les parents. C'est des choses. Vous savez que nos grands-parents rêvent. Une fois que j'ai entendu une histoire véridique, ils m'ont raconté. Moi, je suis les parents. Ils donnent en revers. Ils faisaient de la tahmila. Tahmila, c'est-à-dire les bons parents se soustraient qu'ils connaissaient les pieds. Et ils battaient. Pour ne pas faire mal. Non, parce qu'ils ne se mettent de quoi. On ne va pas voir. On va donner des Non, mais ils étaient. Il y avait, Mais maintenant, aujourd'hui, dans cette génération, il ne faut pas le vénérer. Ça n'aide pas. L'idée, c'est quoi? C'est de changer l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, dans sa tête, il dit papa, ça a foutu. Voilà, Weinstein, il dit, doit bouger. Chaque génération est là. Et là, sans comprendre. Ça aurait pu être aussi pareil de votre temps. Quelqu'un d'autre, il aurait aussi réagi. Il aurait aussi réagi très mal quand le père le frappe comme ça, à 20 ans. Non, mais moi, nous, on était respectueux. Quelqu'un d'autre aurait aussi. On tremblait. Mais pourquoi ça a changé? Je ne comprends pas. Ça a changé. Parce que t'es moins en forme. T'es moins en forme. Ton fils, il n'a pas peur de toi. Il sait qu'il t'esquive. Il va te mettre un crochet, un hypercute. Il leur donne tous les jours. Tu sais qu'aujourd'hui, un ananas, des profs me disent, ils reçoivent des lettres. C'est pas crédible. Des lettres d'avocats. Ils ont dit à l'enfant une phrase un peu dure. Et le père, il dit, tu vas payer le psychologue, je vais... C'est des fous. Bah, moi aussi. Ils ont détruit. C'est monté à l'ambassade. Oui, mais toi, t'es vachement... C'est monté à l'ambassade. C'est toi, t'es très, très dur aussi. C'est quoi, un élève? Ou pas un élève, ouais. Ok, mais... Quoi, l'ambassade? Parce qu'il enseigne à l'école française. Non, mais c'est toi, quelqu'un qui... Ma question, c'est que c'est nous, le problème. L'ambassade, et s'est fait démontrer. Ok, c'est un problème. Non, mais je veux dire, à partir du moment où nous, on respectait nos grands-parents, nos parents de respecter nos grands-parents, nous, on peut respecter nos parents. Non, mais un père, du moment où il sait que l'enfant... Si tu considères que ton fils est un fauteur, d'accord? Si tu considères que ton fils, il a fait quelque chose de très grave. Mais non. Comment tu as le droit d'estimer que ton fils va rien faire? S'il est en vera-vera, il risque de te frapper. Donc, tu vas lui faire faire enfreindre le kibbutz avaim, il va être chayav. S'il est maqué à vivimo, il est chayav mita.
Tu me fais faire un. Pas donné au plaisir. Ah, mais si déjà tu arrives à un schlave maintenant entre nous, tu arrives à un schlave, tu es obligé de mettre tout. Alors là, là, c'est un problème. Il y avait un rave marocain. Il y avait un rave marocain, marocain qui habitait à Jérusalem. Tu as entendu Charles. Charles. C'est au début. Écoute, il y a un rave marocain. Ouais. C'est au début. Il habitait à Jérusalem. C'est le rave du prix Hadash. Il dit dans sa yeshiva, on connaissait le Talmud comme, celui, comme on connaît le schéma. C'était le, un des plus grands à Jérusalem. Il s'appelait Rabbi Yaakov Haggis. Il a écrit une réponse à la Rik qui s'appelle à la Rik et à l'autre parce que lui, il écrivait quatre lignes la réponse. Avec toutes les gmarotes que tu veux, il a tout mis en quatre lignes. Et on lui a posé la question. Il y a un jeune qui a pris des coups de son père. Il dit, qu'est-ce que je dois faire à mon père? Il dit, tu peux le prendre en din Torah et lui prendre de l'argent sur l'humiliation qu'il t'a fait. Et il dit, et cette halakha, il ne faut pas la dire aux enfants. Mais il dit, s'il va au Bedin, il prend. Son père, il est obligé de l'indemniser. C'est petit que tu dois les éduquer. Le père, il a une obligation de chinour. Il n'a pas une obligation de travail. Chinour, c'est difficile. Ça se joue avant. Ça marche pas. Moi, aujourd'hui, je peux te dire la vérité. Moi, si aujourd'hui, j'aurais pu me retourner contre les profs que j'avais, qui nous ont battus de coups, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que j'ai des choses qui me manquent jusqu'aujourd'hui. Des peurs, des choses. Des... On avait un gars, je ne peux pas oublier, on avait un garçon qui bégayait en classe. Et le prof était sûr que bégayer, c'est gâter un peu. Il dit, moi, je vais t'aider à ne plus bégayer. Il venait, il amenait comme ça, il disait, tu lis. Et le gars, quand il disait, et il était sûr qu'il faisait bien. Mais on frappait des enfants à notre époque parce qu'ils écrivaient avec leur main gauche. Ouais. Les gauchers, on les frappait. Ouais. Oh, j'ai bien mieux, t'as pas pris assez de coups quand t'étais jeune. Tu sais, nos parents nous disaient, t'es un gaucher quand tu faisais quelque chose de... Ouais. Une expression tellement mauvaise. Non, mais on s'imagine pas. Ils avaient des outils de goyim cruels qu'ils ont adaptés. Ouais. Mais c'était des choses... La Torah, elle a interdit. Elle dit, Shiharon Moussar. Moussar, c'est pas ma cote. Ouais. Maintenant, il y a deux manières pour faire peur les enfants. Il y a une manière que tu prends l'enfant, tu t'assois avec une demi-heure, ça prend du temps. Tu expliques. Et là, tu construis la personnalité de ton fils. Et il y a une manière que tu tapes, comme si tu le terrorises, tu as gagné un calme de 2 heures. Et les gens, ils font la minute, parce qu'ils ne veulent pas mettre une demi-heure. Un chelou des deux, ça fait pas mal. Bravo. 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 Bravo.